Bonjour à toutes et à tous. C'est le 24 décembre aujourd'hui. Sans doute la dernière vidéo de ce Vlogmas. Je pense que je vous reviendrai avec le soir du réveillon et puis le reste des vacances un peu plus tard. Je vais aussi profiter moi de mes propres vacances. On entend le bruit des enfants à côté. Ma famille ne devrait pas tarder à arriver. C'est pour ça que je voulais absolument vous voir aujourd'hui. J'ai vraiment été très touchée de la façon dont on a passé ce Vlogmas ensemble et de la réception que vous en avez faite. Vraiment, ça me touche beaucoup. J'ai maintenant un crumble pomme groseille à cuisiner. Il n'est pas fait, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, ça arrive. Comme vous l'avez vu pendant tout le mois qui vient de s'écouler, on peut pas toujours faire tout ce qu'on veut comme on le souhaite, y compris pour les projets en tricot et en crochet. Notamment le cardigan qui n'est toujours pas fini à l'heure où je vous parle. Et puis voilà, ça fait partie du jeu. Donc il y aura un cadeau avec un petit mot dedans, bon pour la version terminée dans quelques jours. Et ce sera très bien, ça peut faire partie des aléas du tricot, etc. Et puis ça a été mis comme ça, ça a été fait dans ce sens parce que j'ai privilégié ma santé et mes douleurs au niveau des nerfs ici. Et je pense que c'était le meilleur choix que j'avais à faire, vraiment. Je vous remercie de m'avoir suivi aussi pour les granits avec ce super projet d'un modèle 100% sur mesure. C'est vraiment chouette d'avoir pu voir certaines d'entre vous réaliser leur carré de granit. D'ailleurs, si vous voulez suivre les péripéties qui rythment toute cette vie-là, vous les avez sur Instagram si vous avez envie de m'y rejoindre. Il n'y a aucune obligation. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi, de m'avoir accompagnée d'une façon aussi enthousiaste et dans la douceur. J'ai apprécié rire avec vous et certains moments j'ai été beaucoup plus sensible, notamment pour les vidéos sur les transmissions. Vous avez toutes, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont répondu, vous avez toutes eu des messages qui étaient très touchants. Et ça m'a rappelé la chance que j'ai d'avoir connu ma grand-mère et d'avoir transmis cet héritage, notamment mes enfants aussi, que vous entendez peut-être un bruit de fond. Je vous offre 25% jusqu'au 25 sur le patron du châle Célébration, qui est mon tout premier design et qui est un design au crochet. Il peut être aussi un très bon cadeau à offrir. Il est très facile, il est possible d'adapter la longueur du châle et il est également accessible pour les niveaux débutants. Il y a les instructions qui sont accompagnées d'un superbe diagramme. Et pour vous faciliter la tâche, il n'y a pas de code promo à indiquer. La réduction se fait automatiquement lors de la validation du panier. Voilà, et je vous remercie celles qui ont déjà acheté le patron. Je vous retrouverai dans une vidéo dans laquelle nous parlerons un petit peu plus en détail des projets que j'aimerais faire l'année prochaine. Je vous en ai parlé déjà la dernière fois. Ce qui a émergé comme ça, juste de cette fin d'année, et en faisant le bilan de l'année dernière, c'est que j'aurais besoin d'avoir une pièce qui soit un gilet, soit un pull uni, pour pouvoir aller avec des hauts à moi qui sont bariolés et que je n'ai pas dans ma garde-robe sauf du commerce et pas assez chaud pour l'hiver, donc quelque chose de plutôt chaud pour la mi-saison, ce serait parfait, mi-saison et hiver. Il y a également une pièce, un châle que j'aimerais faire avec les clubs Ghibli que j'ai reçus. J'aimerais aussi me faire la bombec, elle me plaît vraiment beaucoup, c'est un col qui fait aussi capuche et je trouve ça vraiment chouette. Dans les autres projets pour moi, j'aimerais beaucoup faire soit une, soit deux pièces de l'Arc Beggar. Il y a le pull tout en perles qui me plaît beaucoup. Et puis celui qui est ombré avec un dégradé fait en fil mohair, ça me plairait beaucoup. Il y a également deux grosses pièces. Il y aura une couverture pour faire un surlit pour mon fils qui en voudrait une dans les tons bleu clair. Donc à voir ce qu'on peut faire à partir de son souhait. Et donc au crochet, je pense, j'aimerais faire des accessoires d'hiver pour les enfants. Ils demandent tous les deux des peluches au crochet, ce qui est très chouette. Et puis pour le reste, j'aimerais bien aussi me faire une belle pièce, une grosse pièce. Par exemple, une robe, soit au tricot, soit au crochet. Alors, la possibilité de faire en binôme avec Atelier Raphaël. Une robe, soit au tricot, soit au crochet. On avait une de Petite Init, je crois.
Si je décide de le faire au crochet, ce sera plutôt pour la saison d'été. Et puis si c'est en tricot, ce sera plus pour une saison d'hiver. Monsieur a demandé un pull de Noël. Et voilà, je vous souhaite un Noël dans la générosité, dans la sincérité, dans la santé aussi, et avec de la douceur. Et je vous souhaite, moi, tous mes vœux. Et on se retrouve très très bientôt. Salut !